Je suis un éventail de la ville chinoise de Hangzhou. La soie de Hangzhou, le thé de Longjing et moi sommes appelés les trois produits uniques de Hangzhou. Nous sommes les représentants du style chinois Jiangnan. Déjà populaire sous la dynastie des Song, je servais d'hommage à la famille royale. Et à l'heure actuelle, je voyage dans le monde pour raconter l'histoire de notre famille. Derrière moi se trouve une artisane, Sun Yaqing, ayant un lien étroit avec nous.我是18岁就开始和扇子打交道，从懵懂看上去扇子，哎呀，各种颜色特别漂亮，然后这个就感觉哎，我就是想要做扇子，然后慢慢走入了想我怎么通过我的手，通过我们这一代人怎么把传统的东西更时尚，传统基础上怎么去体现非遗技艺的一些传承。 J'ai été témoin de la jeunesse de Sun Yaqing, au cours de laquelle elle a profondément réfléchi à l'éventail. À ses yeux, un éventail, dans un espace restreint, cache un univers à part entière. Aujourd'hui, ce côté de l'univers est le vecteur de la communication entre différentes cultures. Nous avons été dans différents pays, beaucoup, France, l'Allemagne, l'Allemagne, tous les pays. Les choses de l'art sont similaires, les arts sont similaires. 所以我们把这些东西呢，循序渐进的在自己的脑海里，在自己的想法当中就去想把它又创新。法国是应该说世界潮流的这种引领者，它就是撞色、单一色，有很多的品味就是在颜色、色素上。其实你颜色它能够代表产品的档次也好、品味也好、文化也好，这个跟在我们后续的这些产品的包装啊、设计啊，会有更多的一些借鉴的一些地方。 Selon Sun Yaqing, l'usage des éventails est varié. Ils peuvent être utilisés comme ornements, collections, produits culturels et touristiques, ou encore cadeaux d'affaires. Cette connaissance vient de sa familiarité avec l'histoire de notre famille d'éventails. 自称呢，中国是制扇王国。早在远古时期，就是我们的祖先呢，他就是用在烈日炎炎的这个夏季啊，他会。 取一些，比如说是树叶啊，就是包括一些琴语啊，来进行这个简单的加工，来制成的扇子，千年的严格，所以慢慢演变成了，就是现在发展成为有很多几百家的这种的扇子的这种扇叶。而杭州呢，也是宋代时期呢，就是发展最鼎盛的时候，当时我们还有一个叫扇子巷，几乎这条巷有2里路长，60多个，家家户户都做扇子的。 这些扇子匠人呢，都是从全国各地过来的。其实扇子呢，在中国呢，既是一种文明，它也是一种文化的礼仪和身份的象征。以前它这个用扇子，它也很讲究不同的人会用不同的扇子，不同的用法啊。比如说是文胸五度伸倒立，梳口玉袖眉三间，就文人他那时候用的扇子就是在胸口用的。 武士用扇子呢，他就是扇肚子的；僧呢，就是和尚，因为和尚他穿的布很长，手度记牢的，所以他的锋芒哪里进去呢？他就往领子里进去。那时候当兵的人，那他用扇子，那基本上当兵的人他出来也是严严实实，扇的时候就用扇袖口的；媒婆用扇子，他就是用肩上的，就扇肩。En plus d'être largement utilisé dans le folklore, notre famille d'éventail a également joué un rôle important dans les anciennes relations interétatiques. 中国自古以来呢，就是礼仪之邦啊，所以它从唐朝时期呢，扇子呢就作为邻国的一些礼品，所以说相互呢进行一些文化的一些交流啊，扇子是既是东方的，也是西方的，也是传递文化的一种现象。 J'ai non seulement servi de cadeau au sein des relations diplomatiques dans les temps anciens, mais aujourd'hui, j'accompagne Sun Yaqing lors de divers grands échanges internationaux, et plus récemment, aux 19e Jeux asiatiques de Hangzhou.
一个是我们要体现我们的非遗技艺工艺，还有一个呢要体现我们的地域特色，再一个呢亚运会嘛，它肯定是跟运动相结合，那我们要把最能代表这个杭州的历史风貌的钱塘江西湖能够摆到这个扇子当中去，然后呢再想到哎，这个大莲花肯定是主场馆，又要考虑到这个湖的衔接，你因为我们的钱塘江的水波纹波浪很大，但是我们的西湖呢它的水纹文静的，它用丝绸的它这种柔感，哎，我就运用了我们巧妙的国家非遗技艺的一个拉花技艺镂空，既给它有柔感，也要有给它有通透感，一扇两色，就是一面是彩色的，还有一面呢是用金色的，然后金色的呢反面的那个丝绸飘带上面呢我用的是金色的跟银色的桂花，整把扇子它会有双面的不同的美的视觉的去一种呈现。Mon existence n'est pas seulement destinée à faire connaître au monde la culture chinoise splendide, remontant à plusieurs milliers d'années. C'est aussi une sorte de transmission culturelle et d'expression d'amitié. Et pour m'améliorer, Sun Yating a un projet précis quant à mon avenir. 未来我们觉得一定是以善意为根基啊，扇子它整个它都是在有演变啊，从实用到艺术到文化，然后我们到现在则从民间啊到收藏，然后从国际我们可以从走上国际舞台。我们的愿景呢是成为中华善意的传承者和推动者。